Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci. Alors nous sommes cosplayers de France. On va commencer par le commencement. Est-ce que vous savez ce que c'est le cosplay? Oui? Non? Peut-être? Est-ce que ma collègue veut bien nous expliquer ce que c'est le cosplay? Je te laisse là. Alors, le cosplay, c'est porter un costume inspiré... c'est créer un costume, porter un costume d'un jeu vidéo, d'un film, d'un dessin animé. Et le play, c'est le roleplay. Tout ce qui va être interpréter le personnage, vivre son personnage. Mais du coup, pour notre concours, on a besoin de... jury. Exactement. On a besoin du jury. Alors, elles ont bien répété. Pour commencer, nous avons Liliane Semoun. On applaudit s'il vous plaît. Ensuite, on a Anne Jones. Pour continuer, nous avons Nouna Léo. Et pour finir, Iron Mark. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour nos juges, s'il vous plaît? Il y a du feu dedans. Bonjour. Oh, ils sont timides. Ça va? Oh, putain, il y a de l'ambiance, hein. On dirait la rentrée scolaire. Ça va les enfants? Bah non, on était en vacances avant. Ça va? Un poil plus fort, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Je veux que tout le monde y aille. Même vous, là-bas. Comment j'ai foutu la honte? Prêt? 3, 2, 1! Bon bah ça va. Alors on se présente, donc on a Lily on the Moon, Luna Cosplay. Alors toi t'es pas en Iron Mark, en Super Mark pour aujourd'hui. Et Anne Jones, donc on sera le jury. On va juger justement les performeurs, les cosplayers qui sont juste derrière. Est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? Oui. Et bien je te redonne le micro. Et ben moi je place regagner vos places. Il a fait comme ça hier. C'est Papy America, ça. Nous avons les deux princesses qui préparent les escaliers. J'aurais fait pareil. Alors, pour un concours cosplay, nous avons besoin d'accessoiristes. Donc à chaque fois qu'il y aura un décor sur scène, j'aurai besoin de vous pour crier « Accessoiristes ». Vous êtes prêts? Accessoiristes? Merci. On se croirait dans Dora. Il fait bonjour aussi, comme ça. J'aurais dû rester debout, on va rien voir. Donc pour commencer le concours, nous allons commencer par Misha Arts qui va nous faire Twilight Sparkle de l'univers My Little Pony qui vient de Equestria Girl. Je pense qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît. Les gens arrêtent de se lever, bon sang. Oh non! Ça rend très drôle, mais je ne pense pas que ce soit fait exprès! C'est Misha! Courage, courage, Misha! Bon, tant pis, on aura les têtes des jurys. Tant qu'on la voit. Tu viens d'un autre monde, tu es une princesse Poney, ta couronne est ornée d'un élément magique qui donne leur pouvoir à d'autres éléments. Et le feu s'impose en l'éclat et tu nous l'aurais dit de
Tu t'es transformée en chien? Je crois, oui. Mais toi, par contre, je ne sais pas du tout ce que tu es. Le reste de mon corps. C'est un peu toi, mais très différent. Ton museau est devenu tout petit. Mon museau? Tu vas pas encore te mettre à crier. Mais où sommes-nous? Je n'en sais rien, mais il s'agit sûrement du portail qui mène à Equestria. Il faut retrouver ma couronne aussi vite que possible et retourner là-bas. Regardez-moi cette beauté. Son acting était trop fou. La meilleure. Elle me fait rire. T'es la plus belle. Est-ce que vous connaissez Barbie? Oui. Est-ce que vous connaissez Barbie au bal des 12 princesses? Oui. Eh bien, on a Kaleda qui va nous interpréter Courtney. Jamais là, attends avec mon costume. Mais je suis déjà sur scène là, c'est trop tard. Oh là 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 là, mais comment on va faire? C'était une presta à deux et là je suis toute seule sur scène. Panique pas, t'as bien pensé à prendre les accessoires pour la presta de toute façon. Mm-hmm. Donc t'as pris ta lance. Quoi? Pourquoi tu dis rien? Je me suis trompée d'accessoire, j'ai pris celui d'un autre costume. Oh, c'est pas vrai. Bon, trouve les juges en public, fais quelque chose. Surtout, montre-leur que tu as les choses en main.
Nickel. Les ingés sont là, ils ont lancé la piste audio pour la presta ou pas? J'ai pas vraiment eu le temps de l'envoyer, puisque je l'ai pas fini. Non, mais tu avais une chose à faire, t'occuper de l'audio. Bon, montre-moi la scène, là. Là, il y a un micro, tu peux improviser quelque chose. Dis-moi, toi, là, ça t'intéresserait pas de faire une presta avec moi? Non? Une petite seconde, s'il vous plaît. Marie-Lou, il faut que je m'en aille, là, c'est une catastrophe. Ok. Tu repères les issues de secours. Et après, tu fuis. Là-bas! Ce genre de galère, ça peut arriver à n'importe qui. Est-ce que vous connaissez le Seigneur des Anneaux par hasard? Est-ce que vous êtes plutôt du côté des gentils ou des méchants? Parce que là, c'est la Mangora qui va nous faire un Nazgûl. La série, il y aura Asarte, Enkidu, Yakuno, Kishinami. Voilà, j'aurais essayé, je m'excuse. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Accessoires. Accessoires. Et oh, accessoires. Accessoires. Merci. Hello, vous parlez? Pourquoi on s'est engueulé là? Ouais, c'est parce que je m'étais. C'est Haiku, c'est Haiku. Qui a-t-il acheté? C'est inadmissible ce qui vient de se produire. Gilgamesh a osé me rejeter. Moi, la grande déesse que je suis. Je ne peux laisser cet affront impuni. Donne-moi un moyen de le séduire. Astarté, tu as bien raison. Le grand roi doit être puni. Tiens, prends cela. Je te garantis qu'il ne te résistera pas longtemps. Sûr qu'il va me le payer au centuple. C'est Haiku. C'est Haiku. Hein? Y a-t-il une qui doit? Je crois que je suis malade. Je suis une arme. Et pourtant, lorsque je suis aux côtés de Gilgamesh, je me sens bizarre. Je ne sais pas pourquoi je suis là. C'est étrange d'avoir les mains et les jambes qui tremblent en sa présence. Je sens aussi parfois une forte chaleur au niveau de mes joues. Et mon cœur bat très vite. Que puis-je faire pour y remédier? Le seul moyen pour toi d'y remédier est... Je te garantis qu'avec ça, ce bon vieux roi sera à toi pour toujours. Comment ça? À moi pour toujours.
Say hi to. Say hi to. Hein? Que se passe-t-il, petit master? Vois-tu, j'aime Gilgamesh et je voudrais qu'il m'aime un peu plus. Mais comment dois-je m'y prendre? Quelle question! Il t'aime déjà, mais... Avec ça, il t'aimera plus que quiconque. Tu es le master, après tout. Oh non, la déesse inutile. Alors comme ça, on a les mains et les jambes qui tremblent. Fais crainte, Delphine. Je m'apprêtais à accoucher tes souffrances en même temps que mes pitoyables existences. Tu peux toujours essayer de prendre ma vie. Mais tu ne toucheras pas à mon étoile. Commence par t'agenouiller devant moi et à baiser mes pieds, ta douce. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Pourquoi vous battez-vous? Ne pouvons-nous pas faire les choses plus paisiblement? Voyons, voyons, mes petits. Du calme. Vous savez bien que Gilgamesh est à moi. Thank you.
Ouais. Oh, il y a Bloom. Je savais pas cette photo. Oui, oui. Je sais qui c'est, mais je savais pas qui c'est. Je pense qu'on peut lui refaire un tonnerre d'applaudissements parce que c'est son premier cosplay. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Alors, la prochaine cosplayeuse, c'est Démon Lila, qui, elle, a ramené son sac de Wanks. Est-ce que vous avez votre sac de Wanks? Est-ce que vous avez votre sac de Wanks? C'est tout? Je suis déçue. Donc on aura droit à Bloom dans l'univers Winx, mais dans la transformation Harmonix. Elle est trop belle, cette fois. L'accepter. Mais elle est même pas... Comment, moi, ton ami d'enfance, avec qui tu as vécu à la cité de la peur? Ouais, je l'ai dit. Enfin, je vais passer la caméra. Hey, Adora. Je reviens de Bright Moon, du champ de bataille. J'étais censée te ramener à la maison, mais j'ai échoué. Tu as préféré cette princesse de pacotille à moi, je ne peux pas l'accepter. Comment, moi, ton amie d'enfance, avec qui tu as vécu à la cité de la peur pendant toutes ces années, pour me faire abandonner à cause de simples étrangers, qui sont nos ennemis? Fayette et son ami aux flèches, là. Je n'aurais jamais dû te laisser partir chercher cette stupide épée. Moi qui te couvrais, je vais encore prendre l'épée et quitter mes bras. Elle, qui ne m'a jamais aimée, elle a cru en toi. Tu sais très bien qu'elle m'en a toujours fait baver. Tu étais sa nouvelle capitaine force, moi qui rêvais tellement de cette place. Pourtant, tu es partie, tu m'as abandonnée. Tu m'avais promis que cela n'arriverait jamais. Comme tous les autres, tu m'as trahi. Très désagréable. J'en ai assez d'être sous-estimée. Je vais devenir beaucoup plus forte au sein de l'ordre. Lève-toi, nouvelle capitaine force, 4A. Alors,
Accessoiriste cosplay. Pour la prochaine prestation, on a Sohan qui va nous proposer Hollow Knight. N'hésitez pas à venir sur le stand Cosplayer de France, on est juste là-bas. Vous pouvez venir nous poser des questions, vous renseigner par rapport à notre association. Du coup, pour terminer, nous avons Tarveral qui va nous faire un Mandalorien de l'univers Star Wars. L'applaudis, s'il vous plaît. L'applaudis très fort, s'il vous plaît.
vous pouvez aussi venir de mon côté, je ne mange pas. Venez. Si, tu vois. Les grands derrière, les petits devant. Il en manque un, alors on continue, on continue. Comment ? Pour éteindre. Ah.